Yemen Painting, voilà. Alors aujourd'hui, on va voir la suite de la cascade, voilà, que je suis en train de faire en diamond painting avec des perles rondes. Donc j'ai déjà bien avancé dessus, je vais vous le montrer. Il y a encore des petites parties par-ci par-là qui ne sont pas faites, mais c'est les parties les plus foncées que je fais un petit peu au fur et à mesure. Mais sinon, il a très très bien avancé. Ah, je vois qu'il y a une perle qui sauve. Là, j'en suis quand même à plus de la moitié. Vous allez le voir. Voilà, je vais vous montrer tout de suite après. Alors, en même temps, je vais vous montrer. L'autre jour, je vous parlais que à Action, j'avais pas retrouvé les boîtes rondes pour mettre les perles. Donc là, je les ai trouvées. Donc, c'est des paquets de boîtes comme ceci. Alors, c'est le prix, par contre. Je crois que c'est entre 70 et 80 centimes pour les deux boîtes. Voilà. Donc voilà, j'ai deux boîtes comme ça. Donc il y a toujours une boîte blanche et une boîte de couleur. Donc moi j'ai pris de l'eau. Donc vous voyez la deuxième, elle est couleur parme. Là elle est verte. Et donc vous avez 1, 2, 3, 4, vous avez 8 cases. Et sinon, ben voilà, ça s'ouvre comme les autres, hein, comme ceci. Bon, c'est un peu plus dur, hein, mais bon. Voilà. Vous voyez. Donc je les ai pris en dépannage. Et j'avais repris des étiquettes. J'ai plein d'étiquettes, j'ai une pochette avec plein d'étiquettes, je ne remets pas la main dessus. Donc j'ai repris un paquet, mais je n'ai pas retrouvé les petites. J'ai retrouvé que les grandes, comme ceci. Donc c'est rien, je vais les découper. Et puis ça ira très bien en les découpant. Là, en découpant, je peux en faire 4, même plus. Je peux en faire 6 dans une étiquette. Pour faire mes étiquettes de boîte, mais moi vous savez que je ne fais que le 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc c'est des boîtes, c'est des étiquettes qui resteront, donc que je vais faire sur ces boîtes là. Voilà. Sinon, bah, voilà, il n'y a que ça. J'avais été pour voir pour mes cadres 30-30, il n'y en avait plus. Donc, dans la semaine, on va aller voir une autre action qui est dans une ville pas loin de chez nous, voir s'il y en a encore. Sinon, j'attendrai, c'est pas urgent. Et en même temps, j'avais repris un cadre comme celui-là, là, hop, ici. Donc, c'est un grand, c'est un 50-70 pour le kit de mon mari, celui qu'il est en train de faire pour les loups. Donc comme il n'a resté que deux en rayon, je l'ai pris tout de suite. Et donc les cadres comme ça, ici, donc je vous dis c'est des 50-70. Alors que normalement ils existent en noir, en gris, en blanc. En doré, je ne suis plus sûre. Mais il y a noir, gris et blanc, ça c'est sûr. Et ceux-là, ils sont à 7,95 €. Donc ça va. Et donc moi je voulais les 30-30. Et il n'y en avait plus. Il y avait un 28-28, mais déjà avec une image dedans. Et quand on le retourne, il n'y avait pas l'éclipse derrière. Donc je pense que c'était collé. Donc du coup, je n'ai pas pris. Je dis, c'est pas la peine. Je ne vais pas l'acheter. Puis m'amuser à casser le cadre. Donc voilà. Donc c'est rien. C'est pas urgent. C'est pour mettre l'arbre. Et de toute façon, il m'en faut 4. Donc. On verra dans la semaine ou la semaine d'après, quand ils en auront. Voilà. Je vais changer la caméra de place. Je vais me mettre debout pour vous montrer où j'en suis sur mon grand diamond painting. Je vous rappelle que celui-là, c'est un 45/85. Donc, il est très grand. C'est le...
Le plus grand en longueur que j'ai déjà fait. En largeur, j'ai fait jusqu'à du 60. Oui, je crois que c'est 60. 50 ou 60. Donc, bon, c'est pas tellement loin. Mais là, en longueur, c'est le plus long que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, je change la caméra de place. Et je me mets debout pour vous montrer où j'en suis arrivée. À tout de suite. Alors, le voici. Alors, le voici en grand. Vous voyez, il fait la largeur de ma table. Et donc, voilà où j'en suis maintenant. Donc, vous verrez peut-être, il y a des petits trous, mais ça, c'est rien. C'est les parties les plus foncées que je vais remplir, comme ici. Voyez, là, j'ai encore un peu à mettre. Voilà. Et là, j'en suis arrivée ici. Donc là, ce soir, je vais essayer de faire ça. Voilà. Ici, c'est fait. Là, c'est fait. Ici, c'est fait. Voilà. Et donc, il me reste... Alors, j'ai fait jusque-là. Il me restera ça à faire. Donc j'en suis aux trois quarts là. Voilà. Alors j'ai ma petite installation. Alors, ma petite serviette. Vous allez vous demander pourquoi. Parce que, vous voyez, ce plastique là, il m'énerve. Il fait trop de bruit. Donc moi je pose ma serviette comme ça. Au bord du plastique. Bon, bien sûr, mon kit va être avancé hein, vers moi. Et, regardez, vous voyez, quand je travaille, j'entends plus le plastique. C'est calme, voilà. Donc, je mets la serviette et comme ça, je suis tranquille. Parce que je veux travailler là-dessus. Si vous êtes 2 heures, 3 heures, 4 heures là-dessus, vous avez une tête comme, comme une pastèque. Donc j'ai trouvé ça. Je mets une serviette et je suis tranquille. J'entends plus rien. Vous voyez, il y a un tout petit peu, mais encore ça va. Il y a là, c'est parce qu'il est complètement sur la table. J'ai ma petite lampe. C'est que si je commence à plus voir clair. Voilà. Ça, c'est mon pied. Ma réserve de perles, voilà. Là, bon, ça vous connaissez, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Hein. Hop. Alors, regardez, je l'use jusqu'à l'os. Il y a encore, j'ai vraiment usé jusqu'à l'os. Ça fait que j'ai pas encore commencé l'autre. Et puis, voilà. Hop, ma petite passe, mon stylet. Et ma télé, donc ce soir c'est The Voice. Donc voilà. Donc là je vais m'installer et puis on va continuer ensemble le kit. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors, juste une petite seconde, vous voyez ici, vous voyez marron au-dessus de mon kit. Parce que du coup, comme le kit est très long. Pour mettre mon pied de caméra, ben j'ai mis un set de table. C'est des gros sets de table que pareil qu'on trouve à Action. Ils sont super solides ceux-là. Ça fait très longtemps que je les ai. Et du coup, je l'ai posé sur mon kit pour pas que le pied de caméra abîme ben, les perles et le tableau. Voilà. Donc comme ça, ben, je suis tranquille. Je peux faire mon tableau tranquille. Allez, on y va. Thank you.
j'aurais avancé un petit peu quand même sur mon kit. Mais depuis 2 jours, j'ai des terribles douleurs dans le dos et dans le ventre. D'ailleurs, je vois le docteur demain. Et là, ça me lance. Donc, je vais arrêter pour aujourd'hui. Parce que là, ben, y a pas, faut que je m'arrête, que j'aille m'allonger. Enfin, tout au moins me mettre dans mon fauteuil et puis me reposer un peu. Voilà. Et la pipi qui arrive. Donc, la vidéo aura été un peu plus courte. J'espère que vous m'en excuserez, que vous ne m'en voulez pas. La prochaine fois, elle sera plus longue, promis. Donc, Fifi, pas la table. Elle fait ses griffes sur la table. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Je ne sais plus. Bon, ça fait rien. Ça devait pas être très important. Alors, je vais vous laisser pour ce soir. Moi, je vais aller prendre un médicament pour calmer les douleurs. Et puis, je vais aller me faire m'allonger. Me faire n'importe quoi. Je vais aller faire dodo. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour être en meilleure forme demain et lundi, comme ça, je vais aller voir le docteur pour demander ce qui se passe. Voilà, j'ai déjà pu faire une analyse ce matin pour voir. Et donc, on verra, comme c'est dans le rein que j'ai mal, bon, je sais pas, on verra. Bon, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bisous, bisous. Je vous embrasse tous.